Il était une fois, il y a fort longtemps et dans un pays très très lointain, un roi qui était très coquet. Il était tellement coquet qu'il changeait de vêtements au moins 15 fois par jour. Il faisait venir des quatre coins du monde les tissus les plus magnifiques et les vêtements les plus extraordinaires. Dans ce pays, il y avait aussi deux filous. Deux malins menteurs qui avaient envie de se faire beaucoup d'argent. Ils se déguisèrent en marchands et s'installèrent sur la grande place devant le château. Ils commencèrent à alpaguer les passants. « Venez voir, braves gens, venez voir nos tissus magnifiques. On a de la soie, on a du velours, du brocart. Mais, messieurs, dames, ce que vous ne savez pas, c'est que nous fabriquons le tissu le plus incroyable qui existe. Nous sommes capables de faire un tissu qui est invisible aux yeux des imbéciles. Oui, messieurs, dames, nous sommes capables de fabriquer un tissu que seuls les gens intelligents peuvent voir. Mais pour fabriquer ce tissu, évidemment, il faut beaucoup d'or, il faut beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui soit assez riche pour nous payer, pour que nous fabriquions ce tissu ? Et le roi, évidemment, bien sûr, le roi invita les artisans chez lui et les installa dans un atelier au rez-de-chaussée, au sous-sol de son château. Et les jours passèrent. Les artisans s'activaient sur les métiers à tisser, mais évidemment, ils faisaient semblant. Et les jours passèrent. Bientôt, le roi demanda à son ministre de descendre voir le travail des artisans. Le ministre était quelqu'un d'intelligent, il était très sûr de lui. Il descendit les escaliers, il ouvrit la porte de l'atelier et là, sur le métier à tisser, rien. Rien du tout. Alors, le ministre commença à paniquer un petit peu et il se dit mais si je vois rien du tout, ça veut dire que je suis un imbécile. Et si le roi apprend ça, le roi, il va me renvoyer. Non, 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 c'est pas possible. Et le ministre mentit. Et il félicita les artisans pour leur travail. Vraiment, quel tissu extraordinaire, quel motif somptueux. Et il remonta voir le roi pour le féliciter des artisans qui avaient fait vraiment un travail incroyable. Le roi, quelques jours plus tard, décida de consulter ses courtisans et demanda à ses courtisans de descendre voir le travail des artisans. Les courtisans étaient des gens très intelligents, forcément c'était des courtisans, et ils étaient tout à fait sûrs de leur intelligence. Ils descendirent les escaliers, ils ouvrirent la porte de l'atelier, et là, sur le métier à tisser, ils virent rien. Alors, il y a eu un petit moment de panique, et si le roi apprend qu'on n'a pas vu le tissu, eh ben, il va pas nous garder, on va sûrement se faire renvoyer, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, et les courtisans ont menti. Alors, ils ont dit aux artisans que leur travail était somptueux, que le tissu était magnifique, et que vraiment, ils avaient fait un travail incroyable. Ils remontèrent à la salle du trône, ils retrouvèrent le roi, et ils félicitèrent le roi pour son choix des artisans. Majesté, vraiment, vous devriez vous-même aller voir le tissu. Et quelques jours plus tard, le roi décida d'aller voir par lui-même le travail des artisans. Il descendit les escaliers, il ouvrit la porte de l'atelier, et là, sur le métier à tisser, il vit rien, évidemment. Et là, c'était la panique. Il a pensé à son ministre, qui était quelqu'un d'intelligent, il a pensé à ses courtisans, qui étaient des gens intelligents, et lui, il voyait rien du tout. Mais si les gens apprenaient ça, ils n'allaient pas vouloir le garder comme roi. Sauf que, roi, lui, il sait faire que ça comme travail. Alors le roi a menti et il a félicité les courtisans pour leur travail. Vraiment, quel tissu magnifique, quelle couleur extraordinaire. Et le roi est même allé plus loin puisqu'il a demandé aux artisans de lui fabriquer un vêtement, un costume absolument somptueux qu'il pourrait porter en public. Parce que c'est ça qu'il voulait voir le roi dès le début. Il voulait savoir s'il était le roi d'un peuple intelligent ou d'un peuple complètement idiot. Alors les artisans étaient un peu surpris au début parce que
Et puis qu'à cela ne tienne. D'accord, on va vous faire un costume, Majesté. Alors ils ont pris ce tissu absolument incroyable, tellement soyeux que, on le sent à peine. Et ils ont coupé des morceaux de tissu et ils ont cousu un costume magnifique pour leur roi. Et au bout d'une semaine, quand le roi descendit à l'atelier et se retrouva nez à nez avec le mannequin qui était censé supporter son costume magnifique, il ne vit rien, mais il dut continuer à faire semblant. Alors, il se déshabilla et il enfila son costume extraordinaire. Et de la part de ses courtisans et de la part de son ministre, il reçut des félicitations. Majesté, qu'est-ce que vous êtes élégant, vraiment, vous êtes le roi le plus magnifique qui existe au monde. Et le roi, ça l'a rassuré un petit peu. Il est monté sur son char et défila devant la foule. Évidemment, dans les rues, la foule était amassée et attendait de voir le roi, de voir à quoi ressemblait ce magnifique costume. Et quand le roi apparut, il eut d'abord un grand silence dans la foule, et puis un murmure, et puis les gens se regardaient les uns les autres, et puis chacun en eux pensait, mais je ne vois pas le costume. Si on apprend que je vois pas le costume, on va se moquer de moi, on va me prendre pour un idiot. Les ouvriers se disaient, si mon patron apprend que je n'ai pas vu le costume, je vais me faire renvoyer. Et les patrons de leur côté pensaient, mais si mes ouvriers apprennent que je ne vois pas le tissu, on va me prendre pour un idiot aussi, et ils vont jamais vouloir me laisser à ma place. Et au fur et à mesure, dans la foule s'élevait une sorte de murmure, et puis au fur et à mesure, des acclamations commençaient à résonner dans les rues. On acclamait le roi, vive le roi, vous êtes le roi le plus élégant qui existe. Et le roi était fier d'être le roi d'un peuple aussi intelligent. Et il défilait fièrement dans son costume magnifique au milieu de la foule qui l'acclamait jusqu'à ce qu'un petit garçon, assis sur les épaules de son papa, s'arrête, regarde le roi et dit à son père, « Papa, t'as vu le roi ? Mais il est tout nu !» Alors le père au début, « Chut, 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 faut pas dire ça, faut pas dire ça !» Et le petit garçon disait, « Mais papa, regarde, je te dis ce que je vois, le roi est tout nu, le roi est tout nu !» Le père regarda son fils, il regarda le roi, il regarda sa femme, il regarda le roi, et « Mais c'est vrai que le roi est tout nu !»« Mais oui, le roi est tout nu, regarde papa, on lui voit ses fesses !»« Mais le roi est tout nu !» Le roi est tout nu. Et peu à peu, la rumeur se répand dans la foule. Le roi est tout nu, le roi est tout nu. Et le roi commence à entendre la foule qui murmure. Il regarde son ministre. Le ministre est un peu embêté. Il regarde ses courtisans. Et les courtisans sont un petit peu embêtés aussi. Et le roi se drapa dans sa vertu parce que il lui restait plus que ça. Et puis, il est rentré à son palais et il s'enfermait à double tour. Et les brigands, me demanderez-vous, ça faisait longtemps qu'ils étaient partis. Et si vous n'avez pas peur des souris, cliquez sur la vidéo suivante.